Bonjour tout le monde, c'est Xozone. Aujourd'hui dans ce troisième tutoriel, je vais vous apprendre comment zoomer sur une zone de votre écran lorsque vous faites un montage vidéo. Alors, ça peut être vraiment très utile lorsqu'on fait des tutoriels sur des logiciels par exemple et que l'on veut montrer où il faut cliquer, ou alors lorsque l'on veut agrandir plus précisément une zone de l'écran et que l'on souhaite montrer plus en détail ce qui s'y passe durant une période de la vidéo. Alors pour ce tutoriel, nous allons utiliser Camtasia Studio, un logiciel vraiment très pratique pour cela. Il nous permet de filmer l'écran déjà tout d'abord, ensuite de faire un montage avec la vidéo que l'on aura filmée et de rajouter plein de petits effets. Alors on va donc ouvrir Camtasia Studio, on va mettre une vidéo. Donc imaginons que cette vidéo, ce soit la vidéo que vous venez de filmer en cliquant sur enregistrer l'écran. Donc imaginons que ce soit celle-là. On la met là. Enfin, elle va apparaître là directement. Dans les bonnes proportions. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai filmé... ma chaîne, enfin la chaîne de Planète Xozo, et j'ai écrit quelque chose dans la barre en haut, dans la barre internet de recherche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer sur cette barre pour voir ce que j'ai écrit. Comme on peut l'apercevoir, enfin comme on peut le voir tout de suite, c'est très difficile de voir ce que j'ai écrit. Alors pour zoomer sur Camtasia Studio, on va déjà se placer l'endroit au moment où on veut commencer le zoom. Je vais le commencer à partir de quand j'efface, voilà, ici. Et on va aller cliquer sur plus, et sur zoom and pan. Alors vous avez peut-être vu la vidéo précédente, le tutoriel numéro 2, où j'expliquais à la fin comment supprimer les bandes noires. Alors j'utilisais ce petit outil, et c'est lui qui va nous servir pour zoomer sur la vidéo. Alors on va cliquer donc sur zoom and pan. On peut donc voir la vidéo qui apparaît au moment où on est. Et là, on voit un cadre tout autour de la vidéo. Et c'est lui qui va nous servir pour faire notre zoom. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les proportions doivent être conservées pour conserver une qualité correcte. Sinon, des fois, ça se désactive et puis on verra de toute façon dans le panneau de droite si ça se désactive que la qualité, que l'image apparaît vraiment très très moche. Donc, on va réduire le cadre pour zoomer. Voilà, par exemple là, voilà, comme ça. On va le réduire même encore plus, tiens. Voilà, ici. Et là, on peut voir, dans la fenêtre de droite, que j'ai zoomé sur cette partie. Donc la vidéo, je vais vous l'afficher en entier, voilà. La vidéo va s'afficher et sélectionner la zone où j'ai zoomé. Et maintenant... C'est bien comme ça, je veux dire, vous allez être d'accord avec moi, mais bon, vous voulez savoir comment on peut dézoomer maintenant. Je pense que vous n'allez pas toujours filmer cette partie de l'écran. Alors, pour dézoomer, c'est très simple. On va donc sélectionner, enfin, on va donc mettre en pause déjà la vidéo, voilà, à l'endroit où l'on veut que ça s'arrête. Donc on peut directement aller sélectionner en cliquant hein, dans la barre. Donc une fois qu'on en est arrivé là, on voit donc le moment que l'on veut pour arrêter la vidéo, enfin pour dézoomer. Et là, on va faire un clic droit accroché aux extrémités de la vidéo. Et là, on a un dézoom complet et on revoit notre écran entier. Alors, on a aussi le choix, on peut zoomer directement sur une autre partie de l'écran en resélectionnant un petit carré. Voilà, par exemple là. Là j'ai zoomé sur la vidéo directement. Alors, pour voir qu'on a fait un zoom à un certain endroit de la vidéo, il fait regarder les
Les images clés, ce sont les petites icônes polygonales en dessous là, qui nous disent qu'on a fait une image clé, c'est-à-dire un zoom à l'endroit. Et si on veut modifier un zoom, eh bien, on fait modifier une image clé de zoom. Clic droit, modifier une image clé de zoom. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, j'ai pas parlé de ça, mais on peut, lorsqu'on fait une image clé, enfin lorsqu'on sélectionne une partie de l'écran, etc., on peut sélectionner donc la taille, etc., mais on peut aussi sélectionner la durée de l'apparition du zoom. C'est-à-dire, pour la première image clé que j'ai fait, c'était celle où on zoomait sur l'écran. Le zoom se faisait en une seconde, c'est-à-dire qu'on pour passer de la grande partie, enfin de tout l'écran complet, à cette petite partie, le zoom se faisait en une seconde. Ce qui nous faisait un zoom assez rapide, on va le voir sur la vidéo. Voilà, comme ça. Mais si on veut un zoom qui se fait plus lentement, on a juste à augmenter la durée ici. On va mettre, par exemple, on va mettre à... Oh putain, j'ai pas fait au bon endroit. Voilà, bon, je resélectionne mon image clé. Je vais augmenter, je vais mettre 5. Là, on peut voir en bas, dans la barre, que le petit truc bleu en dessous a augmenté, c'est-à-dire que le zoom va se lancer plus tôt, ici. Donc, à partir de là, normalement, on va regarder ce que ça donne. Quand on peut voir, le zoom se fait plus lentement, et on arrive à l'endroit que l'on voulait. Ah, je vous ai pas montré quand est-ce que ça dézoomait, donc je reviens à l'image clé de la fin, et le dézoom, et voilà. Enfin, le dézoom, on va appeler ça un dézoom, vu que j'avais zoomé sur une partie de l'écran, mais je vais modifier ça, on va y remettre en entier, je vais vous montrer le dézoom. Et voilà. Donc, comme on peut le constater, ce tutoriel est assez pratique. Enfin, ça fait beaucoup plus pro, ça fait beaucoup plus utile, les gens pourront beaucoup mieux lire ce que vous mettez, pourront beaucoup mieux voir ce que vous voulez montrer. Et voilà, donc c'est fini pour ce troisième tutoriel de Planet Xuxo. Et puis, bonne visite sur notre site, j'espère, hein, et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.